fait, c'est la culture maker, c'est de vouloir échanger et partager. Et donc, tout le monde a des connaissances, tout le monde sait faire quelque chose. Et le but, c'est de créer une émulation et de créer des synergies entre les différentes activités. Donc, on trouve vraiment tous les domaines, de la robotique, de l'impression 3D, donc des domaines un peu plus technologiques, de la cosmétique, de la couture, de la cuisine. Tous les Fab Labs normands sont présents, tout le réseau des Fab Labs normands est présent pour montrer justement toutes les activités qu'ils proposent. Cette année, on a réussi à doubler directement, donc déjà l'objectif est atteint. Et puis l'intérêt, c'est d'année en année, réussir à rassembler un maximum de makers pour vraiment créer un réseau complet et perpétuer l'événement chaque année. Ça permet aussi à certaines personnes qui sont aujourd'hui en lancement d'activités, qui sont parfois chez elles, de justement commencer à pouvoir se montrer, de découvrir qu'il y a un réseau qui existe, qu'il existe aussi un accompagnement à la création d'entreprises, et pourquoi pas aller plus loin qu'un simple hobby et commencer à créer son activité.